Alors, il y a une chose qui est très intéressante à observer, que vous soyez en couple, en famille ou parfois même dans les sociétés, c'est quelles sont les modalités avec lesquelles les gens vont échanger. Par exemple, est-ce qu'ils ont le focus sur des points positifs ou négatifs? Ça, c'est la première chose, le focus. Et enfin, qu'est-ce qui est exprimé? Ainsi, par exemple, je rentre chez moi à la maison et que je mets le focus sur ce qui ne va pas vis-à-vis de mon conjoint et que j'exprime en plus, ben, c'est sûr que je ne vais pas du tout générer la même chose que apprendre à repérer ce qui est positif, à le dire, à l'exprimer. Et on le voit dans les groupes de formation, quand les gens sont engagés dans cette double consigne, observer ce qui est positif et l'exprimer, on fait ça dans des cercles de développement collaboratif, et bien on s'aperçoit qu'il y a une énergie comme ça qui va monter très très vite, et du coup les gens vivent, éprouvent, pensent à des choses qui sont complètement différentes. Et donc ce qu'on leur montre en fait, c'est à quel point on crée une réalité en permanence à partir de ces deux éléments. Où est-ce que je mets le focus et qu'est-ce que j'exprime? Voilà. Si je suis en positif et que je l'exprime, je vais générer une dynamique complètement différente, quel que soit le contexte dans lequel je suis. Si je suis au contraire focalisé sur ce qui ne va pas, que ce soit chez moi ou chez les autres, et que je l'exprime aussi, eh bien je vais entraîner, on va voir, des processus extrêmement différents.